Match numéro 5, match sans lendemain pour les Pistons de Peterborough. S'ils perdent ce soir, ils sont éliminés. Qui entre dans l'alignement ce soir pour les Remparts à la place de Charles Savoie et de Thomas Darcy. Le tir de Maillet lance à la poursuite du disque. Roy s'avance en zone adverse, remise derrière. Le tir de Godette, le retour est haut. Bel arrêt de Simpson là-dessus alors que Roy a sauté sur ce retour de tir de Kassim Godet. Dans les lignes de tir, ça forçait l'adversaire à faire d'autres jeux. Mettre son tir bloqué par Rousseau. La rondelle était libre à sa gauche. Nas s'en est emparé. Lobe la rondelle au centre. Rondelle tout le temps. Écoute, des fois, ils sont même troisième, même s'il y a juste deux équipes. Attention, c'est la mauvaise chute de Komarov et ça provoque un but. Les Pistons qui prennent les devants. Komarov qui a fait une chute le long de la rampe. Tout ça, là, il envoie la rondelle devant son banc. Et attention, ça va provoquer un revirement, ça. Stillman qui s'avance, remise de l'autre côté. Le but marqué par les Pistons qui prennent les devants 2-0. Avon Coy qui a voulu venir frapper Godette et l'a partiellement raté. Robida à l'embouchure du filet. Le but! James Malatesta, son quatrième du tournoi. Et les Remparts réduisent la marque, c'est 2-1. Surveillé par Robida, c'est Roy qui vient chercher le disque, mais sa remise plus loin est coupée par Zanetti. Hayes, son tir et le but. À l'intérieur du poteau, Avery Hayes qui redonne les devants 3-1 aux Beats. Alors Zanetti et Robertson obtiennent les mentions d'aide. Remise devant et tout de suite la réplique. Nathan Gaucher qui complète la passe parfaite de Kassim Godette. Et c'est 3-2. Zanetti s'avance, le tir complètement raté. Lockhart reprend, remise devant et le but. Ça a dévié sur le défenseur Charles Truchon qui a marqué dans son propre filet. Évidemment, involontairement, et c'est 4-2 les Pistons. Dans cette Coupe Memorial, c'est long de dire que les quatre équipes ont toutes remporté au moins un match. 4-2 la victoire des Pistons, donc qui ont une première étape de réussite.